Popopolo, popopolo, the polo hiri, hihi. Oh mon dieu, on est sur une autre planète! Damien, tu as quelque faute! Pourquoi t'es venu dans mon quantique? Pourquoi t'as tout fait gâcher? Hein? À cause de toi, ma vie est foutue! Oui, je suis un extraterrestre! Oh mais Polo, je suis désolé, mais. C'est juste que j'ai appris très récemment que. Que Jean-Victor, il me trompait avec ma cousine! Est-ce qu'on comprend rien à ce qui se passe? Je comprends plus rien à ma vie! Et je m'en fous de ta vie, Nabila! Tu as quitté la mienne alors que je peux te voir! Je te déteste! Il est mort! C'est quoi ça? Ah, quand je pense que Jean-Victor a dû passer tellement de bon temps sur... dans le lit de ma cousine Monica! Ne touche pas ça, Nabila! Non! Polo! Polo! Ah non, je suis toute seule! Oh, y'a plus de batterie! Pourquoi moi? Calme-toi. Ah tiens, toi tu es la cousine de Nabila, tu es Monica. Ouais, tu vois, moi je vais repartir. Hein, je vais repartir chez moi là. Ah, désolé, mais là tu peux pas trop sortir parce que ben, tu es ressorti dans tout le pays. Il y a des policiers partout. Ah bah zut, c'est sûrement Jean-Victor, ça. Mais tu sais, Monica, j'aurais quelques informations qui pourraient le mettre à mal. Parce que Nia, j'étais un peu avec Nabila et puis elle m'a un peu parlé de Jean-Victor. Et puis même par rapport à ce qu'il m'a fait. Il aurait de quoi mettre un terme à sa présidence. Ici. D'accord, je t'écoute, Polo. Oh non! La prisonnière numéro 80085 a disparu. Oh! Ah ah ah! Polo! Mon beau projet, Polo!